J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. C'est bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Quelqu'un ici. Hey, je crois qu'elle était Qu'est-ce dans le dossier. Que vous foutez? Ouais, c'est bien elle. Zoé Baker. Elle respire encore. Il faut prévenir le QG. Vous avez dit Zoé? Monsieur, vous vivez ici? Mais qu'est-ce qu'elle a? Zoé! On vient vous aider. Est-ce que... Bon sang, qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur! Hé, hey, Paul! Oh. Arrêtez! Arrêtez! Oh, c'est pas vrai. Zoé! Oh, bordel! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoute-moi. On est là pour vous aider. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Dis-moi... Depuis quand les secours débarquent avec des hélicoptères de combat? T'as aucune idée de ce qui se passe. Tu saisis pas! Tu penses que je sais pas qui vous êtes? Avec tous ces monstres qui rôdent dans le coin. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est pas ce que tu crois. Tu comprends pas! Ah, je comprends pas! Tu vois cette fille là-bas? Regarde! Ça, c'est la gamine de mon frère. Ma nièce! Tu comprends? Elle est par ici! La famille! C'est quelque chose de sacré! Alors, je serai pas à ma famille! Il est hors de question que je vous laisse faire! Pour la dernière fois, elle est infectée! Elle va mourir, et nous aussi on va crever, si on se tire pas d'ici tout de suite! Elle est pas encore morte, du con! Alors je te conseille de faire quelque chose pour elle. Avant que je te donne à bouffer à tes petits copains! C'est bon, c'est bon! Il y a un remède. Tu te fous de ma gueule! C'est la vérité! C'est la vérité! On était sur le point de lui amener le traitement! Avant que tu viennes tout foutre en l'air! Ils nous attendent sûrement encore à l'heure qu'il est! Où ça? Ils l'ont mis dans une vieille cabane, pas très loin d'ici. Ils sont complètement tarés dans cette famille! Je le jure! Bonjour! C'est parti pour le DLC End of Zoé, la fin de Zoé, de Resident Evil 7. Et donc la fin officielle aussi, hein, après de ce let's play hein, aussi. Puisque bon, voilà, j'avais dit que je ferais les DLC, Not a Hero et End of Zoé. Une fois qu'on aura fini celui-là, voilà, je pourrais passer à d'autres Resident Evil, éventuellement. Ou j'attendrai le 8, je sais pas encore. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'avait rien d'un alligator. Je suis sorti vérifier les lignes et j'ai vu que j'avais attrapé quelque chose, alors j'ai mouliné. Dieu seul sait que ce que t'es cette chose couverte de boue avec ses griffes et ses ans en dedans. Cette saloperie a tenté de me bouffer, alors je lui ai mis des droites dans la mâchoire avant qu'elle n'y parvienne. Je n'aurais jamais pensé voir ça de mes propres yeux. Encore un coup de ce putain de gouvernement qui mène ses expériences secrètes sur des êtres humains et des animaux. J'en mettrai ma main à couper. Ça explique aussi ces hélicoptères qui survolent le coin ces derniers temps. Ah ouais, ok, lui il est complètement en mode...
Enfin, moi je me suis dit, tant il sait que c'est Umbrella, du coup il doit se dire, bon bah Umbrella c'est. C'est toujours des bâtards. Mais je sais pas en fait. Ça va, Zoé? C'est ça, Zoé. T'es ma famille. Bon. On n'avait jamais vu un truc comme ça hein, dans le jeu. Une cristallisation comme ça. Ah oui. Ah, attention. Je peux pas mettre des gauches. Ah si! Oh mon dieu! Je peux le taper? Attends. Attends, c'est C. Alors je peux pas le taper. Ok. Bah, c'est parti, hein. On est parti, je me suis mis en difficulté normale. Qui était la plus haute proposée. Bon, voilà. Je vais pas mettre en facile. C'est vrai qu'on peut pas sauter dans ce jeu. Tendance à l'oublier, mais on peut pas. À la sauvegarde. Vous vous rappelez la sauvegarde? Manuel de survie de Joe. Attendez. Attendez. Nos poings nous prennent une place. Hein. J'ai envie de dire. Comment tuer ces choses? Leur corps a beau être résistant, leur tête est plutôt molle. C'est là qu'il faut frapper. 2. Des enchaînements de coups de poing qui fonctionnent bien. Gauche-droite, puis une série de droites rapides. Droite-gauche-droite, et un puissant gauche pour finir. Test approuvé. Leur tête peut facilement être écrasée sous la semelle quand ils sont à terre. On peut s'accroupir et s'enfiler derrière eux quand ils ont dos tourné pour les tuer par surprise sans même avoir à les combattre. Ouais, bon, le quatrième point, LCS. Alors attendez. Gauche, droite, gauche. Non. Gauche, droite. Au secours. Attendez. Il avait dit quoi? Gauche, droite, droite, droite. Ah non, droite, gauche, droite, gauche. Ok. Mais gauche, droite. Après, ça marche pas trop les droites bien plein. Ah, mais. Ah, il y a un truc pour s'entraîner. D'accord. Donc, droite, gauche. Non, mais. Au secours. Bon. Non. C'est moi ou j'entends un bruit? Mais attendez. En fait, c'est un truc vivant à l'intérieur. Mais quel taré. À la famille Baker. Bon. On va poser ça. Et c'est le retour des fluides. On va sauvegarder. Eh oui. Non. Pas taper. Ok. Je sais pas si je vais avoir des armes du coup. Est-ce qu'on va être full corps à corps avec lui? Full cac. Full patate. Ça m'irait, hein. En vrai, ça m'irait, hein. Non mais, au secours. Charmant. Appuyez sur Tab, puis E pour voir les combinaisons possibles. Ah, une bestiole avec du fluide chimique, ça fait des remèdes? Bah vas-y, hein. En effet. Quoi, Graou? Ah non. Ouais, après, est-ce que vraiment j'ai besoin de me cacher? Espèce d'étron ambulant. D'accord. Je peux tous vous prendre à main nue. Non. Alors la jambe et la tête. Ok. Non. Ok. Ouais, un centipède. Non, mais il faut qu'il arrête. Hein. On récupère la faune et la flore. Ah, ça a l'air d'être un vrai combattant, lui. En vrai, je serais pas surpris si dans son lore, il a fait la guerre. Hein. Ou d'autres choses. Ah ouais, non, mais... Ouh là là. Non mais, à deux contre un là comme ça? Bah ouais. Bah oui, je sais, la garde c'est espace. Non mais écrase.
Ok. Ouais, c'est ça. Graou. Ouais, j'ai pris des dégâts, moi, mine de rien. Comment je fais pour... je peux pas vendre ma vie. Là, c'est juste j'ai des marques rouges. Hein. Je me soigne déjà, vous pensez? Oh. Pas envie de me soigner, moi. Jamais avoir envie de me soigner, c'est ça le problème. Non, si. En vrai, si. Mais sous la panique. Oui. Les points sur les i. Une poupée boxeur. Collectionnez les poupées pour améliorer votre force d'attaque. Ouais. Chaque poupée augmente votre... dans votre inventaire augmente votre force d'attaque de 1%. C'est nul. C'est nul. Non mais fais ça. Voilà. En vrai, j'aurais gardé le fluide chimique, hein, ceci dit, mais bon. Non mais arrête. Arrête ça, on va trouver une araignée, je vais être dégoûté. Bonne ambiance. Oh non. Oh, ça va. Il y a un truc qui va péter. Non. Remettre. Ah bah. Bah nickel. Non mais prends le remède. C'était sûr. C'était sûr. Ouais. Oh, faut pas déconner non plus, hein. Ah mais je cours déjà, t'inquiète. D'accord. Mais attends, hein? Ouais non, ils y étaient pas eux. Sale bait. Bon. Zoé est toujours là. Ouais. Tiens bon, Zoé. Ça suffira pas. Il va te falloir une dose entière pour la guérir complètement. On en a encore à la base. Détache-moi et je t'y amènerai. Allez! Quelle base? Super. Bon bah. Deux! Bon, quelle base du... Prends Zoé. Ah non! Oh, c'est quoi ça? Non. C'était quoi cette chose ignoble? Non mais ouais super. Ouais super ouais. J'ai l'impression d'être dans une saleté de film d'horreur. Presque c'est l'idée hein. C'est un jeu mais presque pareil. Ok. Tout va bien, Zoé. Non mais le Némésis, là... C'est normal, ça? Le soldat a dit que les Médocs étaient dans une sorte de base.
Est-ce qu'il y a un mur ici? On dirait que quelqu'un a laissé les lumières allumées. Allons voir ça. T'en fais pas, Zoé. On y est presque. Voilà, j'allais dire, on la laisse pas sur le bateau, hein, parce que... Pas déconner, hein. J'aurais pas confiance, moi. Par contre, je peux pas me battre, hein. Bon, d'accord, voilà, je peux pas donner des coups avec Zoé, je peux pas parer avec Zoé. Donc, voilà. Même... même enlever la cam, quoi. Voilà la base. Allez, pas maintenant, l'alligator. Oh mais non, mais sale bait, quoi. Déjà, tu permets, je récupère ça. Non mais c'est scénarisé. Hein. On avance sur une bait, quoi. Ouais, ouais. Ok. En sécurité ici. Attends-moi là. Bon, si on oublie la flaque d'eau, quoi. Je vais revenir avec quelque chose qui va te requinquer. Oh, bah y'a même un bateau. Trop pratique. Bon, par contre, le. Attendez, mais. Attendez, on en parle de ça? Non, si, on peut ouvrir ses portes. En vrai, on peut ouvrir ses portes. J'allais dire, sinon, le bateau, il est juste bloqué, quoi. Il sert juste à rien jusqu'à ce qu'on on défonce le mur. Non mais du coup, je vais me battre avec avec Alligator, là. Ok, hop, on sauvegarde. On n'oublie pas de sauvegarder ce coup-ci. On va pas faire comme dans le premier DLC. Surtout que, non, ça m'a l'air un peu plus violent, là. Je pense que j'ai bien fait de pas faire de pause entre les deux, quasiment. Approcher un ennemi par derrière pour le tuer par surprise. Je vais m'en faire une joie. Vu que c'est le tuto. Trop fort. Hein. Du coup, il s'appelle John, je crois. John Baker. C'est John et Jack. Ou Joe. Non, c'est Joe. C'est Joe Baker. Pas John. Ok. Alors, comment ça marche? Comment ça marche l'infiltration dans ce jeu? Est-ce qu'ils sont full con? Ils ont l'air full con, hein. Ils sont full con. C'est parfait. Enfin, ils sont full con. Tant qu'ils m'ont pas vu, quoi. Après, est-ce que... Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils sont full con complètement? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est normal d'ailleurs que les monstres dans la base, tout ça? Est-ce que c'est normal aussi que j'entende des bruits aussi proches? J'ai pas envie, hein. J'ai pas envie, hein. Ça, j'ai plus envie, ouais. Effectivement, la furtivité, finalement, c'est pas mal, hein. Dommage qu'on va pas beaucoup jouer comme ça, mais... Mais en vrai, c'est pas mal, hein. C'est un bon gameplay. Par contre, la porte pour Zoé, là... Censée être... Ah ouais, non, elle est derrière, encore. Non, ça se récupère pas. Je peux taper dessus. Dommage qu'on puisse pas trop taper sur tous les objets. J'aurais bien aimé. Mais bon. Ah non!
Non mais attendez, elle me voit pas de là? Est-ce que vraiment? Trop marrant. C'est quand même trop marrant. Est-ce que je peux récupérer ma lance? Ah, visiblement non. Mais mais c'est sympathique. J'ai... Y a rien à looter là. Hein. Bon. Alors, non, c'est gauche, droite, 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 droite. Non. Enfin, gauche, droite et droite. Mais faut que je touche, quoi. Comment ça, tout, tout? Ah ouais, non, mais pas tout, tout. Deux secondes. Voilà. Désolé, hein. Plus de tout, tout. Fini. Ok. Ouais, non, parce que Discord, c'est marrant, mais pas déconner non plus. Ça sort un peu du jeu, quoi. Ok. Ouais, go, hein, go Non, go sauvegarder, on a dit. On a dit qu'on sauvegarde. 21 minutes, ça va. C'est bon, on est large. J'ai 3 poupées, hein. Ah, mais ça se stack. Ah. Oh, ça va. Ah, parce que j'allais dire, si c'est un truc à usage, enfin, un par un, et que c'est 1% à chaque fois, l'emmerdement, quoi. Ah. Le bateau à vapeur. Les gars, vous me facilitez pas la tâche. Les ordres suivants doivent être appliqués immédiatement. Le Mitami 7 s'est répandu dans le marais, et il continuera à muter tant qu'il rencontrera de nouveaux organismes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exposer le stock de médicaments. S'il venait à subir une mutation, il deviendrait inutile. Transférer toute la station de synthèse des agents anti-infectieux vers le bateau à vapeur. Superbe. Du coup, ils ont tout viré, ils ont tout laissé à l'abandon. Il y a vraiment plus personne ici. C'est génial, hein. Quoi, gros? Non! Ah bah non! Ah mais lui, il a pas l'air... Lui, il a pas l'air copain. Lui, ça a pas l'air d'être trop un copain, lui. Mais attends. Mais c'est pas Jack, ça? En tout cas... Ah. D'accord. Bon bah c'est combat, du coup. Moi qui... Je pensais pas que... combien? Il va me faire mal, hein. Raté. Tu peux arrêter d'en... Merci. Saloperie. Mais à mon avis, il est pas mort. Bah ouais. Non mais t'étais... Non mais... Nope. Pénible, hein. Faut que j'aille dans l'eau? Really? Oh, mais t'es pénible! Sale bait. Encore un point de sauvegarde? Non, mais c'est... C'est ouf. Alors, je pourrais encore me faire un soin. Je me suis toujours jamais soigné de ma vie. Mais écoutez,
Pour l'instant, on avance. Alors, attendez, parce que là, il y a un chemin. Là, c'est verrouillé. Hein? Je suis où encore, moi? Est-ce que je suis censé être un endroit que je connais? Faut arrêter avec les insectes. Je peux les bouffer direct? Allez croco, allez croco. Bah c'est plus un alligator là mais... Ah! Je croyais qu'il fallait taper. Il m'a menti. On m'a menti. Je ne me pensais pas pouvoir vous promener sans risque auprès des alligators. Ils sont infectés et n'ont qu'une envie, vous dévorer. Ouais, ouais, neutraliser à distance avec un couteau. Hein, comment ça? Pourquoi ils ont parlé de couteau? Non, mais... Je savais pas. C'est pas trop juste, hein. Pas trop justice, là. Hein. Parce que bon... Oui, on a des lances qui nous sont données, d'accord, j'avoue. Mais il a... dans son manuel, il disait qu'il les avait affrontées à main nue, hein. Pourquoi il n'y en est plus capable? Allez, coucher. Ma lance. Oh mais c'est... Oh non. C'est horrible. En réalité, c'est horrible. Sachez-le, j'aime pas du tout ça. Hein. Oh... Oh là là. Ah, oui, vous, je vous préfère largement. Ouais. Bon, d'accord, je me soigne. Je me soigne, le jeu, il a dit je me soigne. Le jeu il a dit soigne-toi s'il te plaît. Voilà, un de moins. Et deux de moins. Voilà. Arrêtez de faire du bruit. Bon. Bon du coup on est mort une fois à cause de l'alligator. C'est bon, toi t'es mort, hein. Pas de lag, hein. Ouais, y'en a un juste en dessous là. Si tu décidais de tomber, prends l'alligator. Ouais. Bon, j'ai encore un soin, je vais attendre avant de me refaire un autre soin. On va prendre les lances. Et on est reparti. Dans les marécages. Non mais c'est. Oh là là. Il faut être vigilant en fait. Voilà. Vous n'avez pas un autre derrière? Non, c'est sa queue. Pourquoi ça fait des remous? Il y en a un qui va me sauter dans la gueule. Bon, j'ai plus de lance, mais... Mission accomplie. Ah bah. Nice. Voilà. Tac, on re-sauvegarde. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Ok, on monte. Tranquillement. Quand même terrible de même avec ce personnage avoir une appréhension quand tu montes l'échelle, quoi. Genre, vraiment, hein. Vraiment, j'aime pas ça. Monter les échelles dans les jeux. Hein. Surtout dans les jeux d'horreur. Surtout quand ta caméra elle se redresse comme ça, automatiquement. Parano. Oh, ça sent l'arène, ça. C'est assez large pour qu'il y ait une arène, là. Hein? La ferraille. Alors, attendez. Combinaison.
Non, le flux chimique avec la ferraille, ça ne fait rien. Faire une bombe artisanale, vous allez voir. Ok. Remède de premier soin. Encore une sauvegarde. Décidément. C'est quand même... Il y a un problème avec les sauvegardes dans le jeu, non? Genre, c'est normal qu'il t'en propose 12 000? C'est normal que j'en ai 12, là? De sauvegarde depuis le début du jeu? Je sais même pas si je sauvegardais vraiment, là. Mais bon. Je sens qu'il va y avoir un combat, ici. Je sais pas pourquoi, ça m'a l'air suffisamment large. On a 5% de dégâts en plus. C'est déjà ça, hein. En vrai. Toujours ça. Même si on va pas se mentir, 5% c'est un peu dégueulasse. C'est pas non plus insane. Mais bon. Comment ça, Graou? Ah bah oui, Graou. Bah voilà. Pas de problème, hein. Bon, par contre, j'ai compris qu'un seul combo dans le jeu. Hein. Pas m'en vouloir. Moi, il n'y a que le gauche-droite-droite qui marche. Mais en vrai, le droite-gauche-droite-gauche, il a l'air méga puissant. Hein. Il a l'air bien vénère, son coup de poing. Je peux toujours pas... Si! Je peux faire une lance. Écoutez, je les pré-shot, j'y peux rien, je vous assure, je connais pas. Pour le coup, ce DLC-là, je connais pas du tout. Autant, notre hero, je crois que j'avais un peu vu le début, mais je suis même pas sûr, enfin, genre, ça remonte, si jamais c'est le cas. Ah. Mais, mais celui-là... Bon. Ils sont où les copains? Je me retrouve pris en sandwich par... par 12 mobs. Mal le vivre. Mais attendez. En fait, ils me disent ouais, attaquer les ennemis furtivement, machin, mais moi ça va plus me stresser qu'autre chose. Donc est-ce que vraiment je vais faire ça? Je ne sais pas. Hein. Il m'a pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais s'ils sont rebou aussi, j'y peux rien moi. Mais par contre, il y a un souci. C'est la petite merde là, à 4, à 12 milliards de pattes. Il est full rebou ce monstre. Je crois qu'on m'a pas vu. Non, il enchaîne pas. Pulvérisé, d'accord. Il a été éradiqué de la surface. Ça me va. Regardez cette saloperie là. Déteste, je les déteste. Je les déteste. Bon, je vais attendre qu'il refasse son tour. Parce que je sais pas exactement jusqu'où il va. Il me voit pas de là.
pire, de toute façon, c'est pas très grave. Pas comme si je suis en danger de mort s'il me voit. Donc ça va. En fait, c'est ça aussi la petite différence hein, avec d'autres jeux. Hein. C'est vrai que, bon, pas de raison de stresser, en fait. Parce qu'au pire, il me repère, et je le défonce. Et sinon, il me repère pas, et je le massacre. Plutôt simple, en fait. Encore de la ferraille. Bon, bah du coup, je crois que là, la voie est libre. Une lance, ouais. Ah, j'ai pas mal de petits trucs, mine de rien. Graou, graou. Ah oui, non, je pouvais faire le tour par là. Ok. Bon, j'ai plein de trucs, je peux craft, mais... Bonjour, je suis furtif. Je suis Joe Furtivité. Après, il est stylé le chara-design de Joe d'ailleurs, je trouve. Très stylé. Hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Hein? J'ai mal vu en fait. En fait, j'ai mal vu, j'ai cru qu'il y avait un. Ah, ouais, d'accord. Ok. Donc j'ai compris. J'ai le game plan. Là on attend. Là on fait ça. Furtif. Regardez, lui il a rien entendu. Furtif. Ah, ça m'ébruite pas, hein. On est furtif. Incroyable. Comme quoi, j'arrive à jouer furtif. Est-ce que c'est par là la suite? Parce que comme on peut pas sauter dans ce jeu... pas impossible, hein. Sale bait. J'avais pas vu lui. Il va foutre me voir en fait. Non. Non, puisqu'il est con. Non, on va aller là et on va espérer que c'est juste un petit passage. Ouais, je peux remonter, ok. C'est bon. Oh, une poupée champion. 5%. Hey. Là, ça fait 10% d'un coup. Non, mais alors, attendez, parce que là, combinaison. Ah, j'ai trop de verre et tout. Trop de bestioles. Mais j'ai plus de fuite chimique. Ah. Ouais. Bon, on va attendre. Coucou. Ouais. Furtif. Je suis la nuit. Je suis la discrétion. Je suis la mort. Aucune idée de là où ça m'a emmené, hein, par contre. Non. Non, mais ils sont cons. Genre là, je suis devant lui. Accroupi devant lui, il me voit pas, quoi. Au bout d'un moment, s'ils ont pas un souci, là, je comprends pas. Hein. Elle est complètement pétée, la mécanique de frustration dans le jeu. Je sais pas comment il me repère, en fait. Faut que je sois debout, peut-être. Peut-être que si je suis accroupi, ça passe. Genre, ils ont une vision qui ne descend pas. Ils ont oublié comment baisser la tête. Après tout, on sait pas comment ça fonctionne.
Mutami 7. C'est Evelyn, ça. Je vous connais. Ouais. Quand même bizarre, ce bateau. Quand même bizarre, ce bateau. Le truc, c'est un peu étrange de les retrouver, là. J'ai tout vu, du coup, ici. On va faire le tour par là-bas. Histoire d'être plus tranquille. Ah, et là, d'ailleurs. Oui, non, mais ici, oui, j'ai déjà vu, il y avait une lance. Ok. Ah bah ouais. Je crois qu'on a tout vu. Bah très bien. Hein. On va pouvoir faire ça et attirer tous les mobs de la terre. Sauf que comme ils sont tous morts, bah personne n'arrive. Pas mal. Hein. C'est pas mal. Ah bah voilà, tiens, point de sauvegarde. Ça. On va sauvegarder. Ah, une poupée. Parfait. Bon, c'est une poupée de merde, mais... C'est toujours ça. J'ai 3 soins. Ah mais attendez, mais c'est quoi ce... C'est quoi cet inventaire, là? Écoutez, on est bien. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Pour l'instant. Et du coup, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Pour cet épisode numéro 1, qui est l'épisode numéro 15, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'on avait 11 épisodes sur le let's play principal, enfin sur l'histoire principale, 3 sur le, enfin 2,5, mais 3 sur notre hero, et là, du coup, voilà, fin de l'épisode 1, qui est donc l'épisode 15, donc de Resident Evil 7. Bref, faut suivre. Portez-vous bien. Bye bye.